Leçon, exercice numéro 15, exercice number 15, practice number 15. We're going to play the last part of from the previous practice. On va finir les deux dernières partitions. Alors, on est dans la majeure, 1, 4, 5, 4, la et ré, mi. Ré. A major 1 4 5 4 A D E all the major chords. Na 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 na. Na 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 na. So, first part was second part third. So let's start. Donc aujourd'hui ça sera cette partie, hein, les deux parties qui restaient, les deux partitions. Je vais les jouer lentement. So today is gonna be the last two parts. Let's play it slowly first. La majeure, la note tonique est dans la septième case, ici, septième case, quatrième corde, la corde est là. Seven fret, the tonic note is on the seventh fret, fourth string. This is A major. So I'm gonna play A major and then okay. Oh, let's go. You hit the fourth, the third, the first, and the second string. So it's string number four, number three, number one, number four. Bam, bing, bam, bing, bam, bing, bam, bing. Okay. Alors, vous jouez la corde la majeure. Vous jouez la quatrième corde, la troisième corde, la première corde et la deuxième. 4, 3, 1, 2. Bambi, bim, bambi. Da da ba ba ba. Da 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 da. Neuvième fret, deuxième corde. 9th fret, 2nd string.
La, pardon, mi majeur, c'est cette forme. Alors, je commence sur la septième case, hein, la septième case, cinquième corde. Je joue la cinquième, la quatrième et la deuxième corde. 5, 4, 2. Et puis. Okay. E major, this is the root. So I'm starting from the root, which is on the seventh fret, the A string, the fifth string. I hit the fifth string, I hit the fourth string, and the second string. Boom, boom, bing, do bi do bi do, boom, boom, bing, da 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 da. Next. Alors, la dernière partition. La dernière partition. Toujours la majeure. Cette fois-ci, on joue. Quatrième corde. Troisième. Deuxième. Et troisième. Bam, bam, bing, dong. Quatrième, troisième. Deuxième, troisième. So, back to the A major again, but we're gonna hit the fourth string, the third string. Second string and the third. So string number four, three, two, and three. Okay, the lick is here. Alors, ça c'est clair, hein? Pas de commentaire. Revient sur le mi majeur comme on a joué la première fois, donc 5 4 2, puis on fait ou bien ok. Alors ça sera so we back we play this. Then E major, as we did previously, so it is just the fifth string, fourth string, and second string, and then back here we play. On va jouer ça. On va jouer. Or you can do. Aussi faire comme ça.
Ça, c'est l'accompagnement typique de la rumba sur le 1-4-5-4 dans la tonalité de la majeure. Donc, c'est ça l'exercice complet. Donc, la première, deuxième, troisième, quatrième partition, on peut le jouer et puis pendant des dizaines de minutes pour vraiment s'exercer. Hein. Donc, alors, je vais essayer, on va voir, c'est intéressant, c'est très joli quand même. So, yeah, that's it. So, if no, the complete exercise consists of those four parts, so I'm gonna play them. Very interesting. Good for, you know, for your skills. Okay? So it should go like this.